take a moment today to thank the boldness of our government and our shareholders. William Hamilton built his venture on the ashes of the Second World War. Copper mine he envisioned was ransacking the First Nation's ancestral territories, drawing the wrath of the local people. It definitely took nerves of steel to stay the course, despite all this hostility. Before long, in the face of William Hamilton's cold and uncompromising stance, the petitions and peaceful protests turned into sabotage, vandalism, and other criminal acts. The industrialists' private properties also encountered the wrath of the demonstrations. Carl Faubert, a veteran of the Korean War, was hired from Montreal as a private detective to shed some light on this whole thing. But at the end of his long journey to northern Quebec, the detective did not only encounter property damage, he also came face to face with the corpse of William Hamilton. The strangeness only kept building throughout the investigation. A powerful, unseasonable blizzard hit the region. Bodies frozen in unbreakable ice appeared. The local fauna began to act strangely and aggressively. Carl Faubert began to doubt his own sanity. The detective felt the weight of a gaze as if he were at the mercy of a powerful, feral creature waiting for the right moment to attack. Carl's fear was taking over, overpowering his reason. He was giving in to delirium. In that instant, he thought that the dark waters of the lake might shield him from the shapes that pursued him. From there, he had a renewed hope in civilization, or whatever was left of it. Carl knew that on one of these shores stood William Hamilton's lavish mansion, and there the detective had hopes of finding a way out of the area. A phone, a truck, who knows? Under the luxurious paneling and damask carpets, he might be able to find answers to his questions.
The journal was the rock to hold onto in a rushing waterfall of memories. A tool Carl was happy to have back. There was something the detective found charming about the mechanism of the instant cameras.
The ice looked recent. Better not test it. An access card, a rather modern piece of technology, especially for a mining complex in the far north. What could it possibly open? Radiation detector. Clearly, Hamilton's people were digging for more than just copper. Keeping this handy tool could prove beneficial.
Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la faune. Si vous entendez ceci, ce message est crucial. Trouvez un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la faune. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. Vous entendez ceci, ce message est crucial.
trouver un endroit où vous mettre à l'abri. Ne sortez qu'en dernier recours. Si vous avez à sortir, armez-vous et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la Hamilton Mining Corporation. Tenez-vous le plus loin possible de la forme. Les animaux sont devenus extrêmement agressifs. Je répète, tenez-vous le plus loin possible des animaux et méfiez-vous de quiconque porte les couleurs de la HMC. With all this chaos, Carl was sensing a hurried departure. Thank you.
From a simple case of vandalism to a mysterious murder, Carl found himself right in the middle of a battlefield. What could possibly await him now?